en couverture. ອັງຍົກແລະປະກາດບັນຕໍກະຈໍາລະການນິຕິວິທີສໍາລະການໃຫ້ຈະບັນຕໍຕອນນີ້ພດອວິທິການຈຸນໂຕສາປະຍາລອງອັນຕະຣາຊາດດັ່ງໃບມີໂອກາດບັນຕໍການຕັ້ງສໍານົດດິນດາວຈະປູສັກໄສຄໍາບືນ Merci, Monsieur le Président. Madame le témoin, nous parlions du bureau du district de Tramkak. Pourriez-vous me dire qui était le chef du bureau du district de Tramkak lorsque vous étiez chef de commune de Chingtorn et par la suite lorsque vous avez été chef adjoint du district de Tramkak? Oui, nous avions parlé du comité du district et maintenant nous parlions du bureau du district, donc un organe différent. Vous avez dit qu'il était responsable des questions économiques. Pourriez-vous me dire qui était le chef de ce bureau du district lorsque vous étiez vous-même secrétaire de la commune de Chingtong et ensuite lorsque vous avez été secrétaire adjoint du district de Tramkak? Donc, quels étaient les chefs de ce bureau du district? Est-ce qu'il y avait d'autres cadres qui travaillaient au bureau du district? Est-ce que les noms de Pi, Korn, K-H-O-R-N, et Ulhun, U-L, et puis autre mot, H-O-E-U-N, vous disent quelque chose? Quelles étaient leurs fonctions au sein du bureau du district? Est-ce que je comprends bien dès lors que le bureau du district s'occupait à la fois des affaires économiques et de superviser les milices du district? Est-ce que vous pouvez nous dire dans quel bureau travaillait Dutch, aussi appelé Yip Dutch, qui aurait eu des fonctions de responsable de la jeunesse au niveau du district? Est-ce que vous l'avez rencontré et est-ce qu'il travaillait également au bureau du district? Est-ce que vous savez s'il a joué un rôle également au centre de sécurité de Krang Tachan? จากยมบาลดัง
concernant le lieu où se trouvait le bureau du comité du district, ainsi que le bureau du district, qui est, vous l'avez dit, était tout près. Pouvez-vous nous dire à quel emplacement se trouvaient ces deux bureaux, dans quelle localité? Est-ce que c'était tout proche de votre commune de Qingtong, ou plus précisément entre Qingtong et Trapping Tom Chung? Bien, je voudrais parler des réunions qui avaient lieu au comité du district et auxquelles vous avez participé en tant que chef de commune. Vous avez dit à la réponse 159 de votre procès-verbal d'audition qu'il y avait des réunions ordinaires au district trois fois par mois, les 10, les 20 et les 30, un jour de chaque mois. Vous avez aussi appelé des réunions éducatives. Quel sujet était-il abordé par le chef de district ou par ses adjoints lors de ces réunions ordinaires au district à Angroka? Est-ce qu'il y avait également à l'ordre du jour la situation des ennemis dans chacune des communes, ainsi que la discipline des habitants, et notamment la discipline concernant les 17 avril ou peuple nouveau? Est-ce que lors de ces réunions au district, y avait-il chaque fois des rapports que vous faisiez en tant que chef de commune, ainsi que des instructions qui étaient communiquées par le chef de district? Vous avez expliqué à la réponse 157 de votre procès-verbal d'audition que lors de ces réunions éducatives, on vous avait dit que le village devait faire rapport à la commune et la commune au district. À la réponse 158, vous avez dit que lors de ces réunions, on vous a dit que si n'importe quel incident se passait au village, le village devait rapidement rapporter à la commune et la commune devait aussi rapidement en faire part au district. Est-ce que c'était donc bien un système pyramidal qui était mis en place, c'est-à-dire que le village rapportait ou la coopérative rapportait au comité de la commune rapportait au district? Hai thnak khum reka lang teu thnak srok chea banto bantoap anchang men te cha. Vous avez travaillé au district vous-même au moins en 1978
Vous avez dit avoir assisté à de nombreuses réunions au secteur 13. Pouvez-vous nous dire ce que rapportait le district, le chef de district de Tramcac au secteur 13 lors des réunions ou par écrit? Quel type de rapport avait le district vis-à-vis du secteur 13? Tại khi nhầm bán chạm bỏ tế, khán đất đằng chế côi. Concernant les participants aux réunions ordinaires du district, à part les chefs de commune et le comité de district, ainsi que les membres du bureau du district, est-ce qu'il y avait également des cadres du centre de sécurité de Krang Ta Chan qui y participaient? Vous avez dit avoir rencontré Ta An, le chef de Krang Ta Chan durant le régime. Est-ce que c'était à l'occasion de réunions au district ou au secteur que vous l'avez rencontré? Est-ce qu'à ces réunions du district, Ta An faisait également rapport au comité du district? Ta An quand même rica chun de kana srok te. Cha mien ri ta khnyom at man cham te. Vous avez dit que vous avez lu le rapport. Moi, je vous demandais si Ta An faisait rapport oralement lors des réunions sur les activités liées à la sécurité au centre de Krang Ta Chan. Est-ce que vous l'avez jamais entendu parler de filières ou de réseaux d'espions lors de ces réunions? Est-ce que Ta An donnait des chiffres quant au nombre de prisonniers qui se trouvaient à Krang Ta Chan et au nombre de personnes qui étaient nettoyées chaque mois? Est-ce qu'à ces réunions du district, vous avez rencontré un certain Meng, M-E-N-G, qui était chef d'un centre de détention situé tout près de l'ouest, à l'ouest du marché d'Angroka? (Cười)
J'en viens maintenant aux réunions que vous avez qualifiées d'urgentes ou nécessaires au district 105. Donc des réunions qui avaient lieu à d'autres moments, lorsque la situation l'exigeait. Est-ce que vous pouvez nous dire à quelles occasions y a-t-il eu des réunions urgentes ou extraordinaires au district 105 et quels étaient les sujets dont on parlait? Vous avez dit à la réponse 160 de votre procès-verbal d'audition qu'il y avait certains types de réunions urgentes et vous avez notamment dit que lorsqu'il y avait abondance de riz dans une commune, la commune qui n'en avait pas assez faisait un appel immédiat pour partager ce riz. Par ailleurs, à la réponse 161, vous avez également dit que un certain nombre de réunions de sécurité étaient considérées comme des réunions urgentes ou nécessaires. Est-ce que vous pourriez me dire si il y a eu des situations sécuritaires qui ont exigé la tenue de réunions urgentes? Et si oui, est-ce que vous pourriez nous donner des exemples? Est-ce que en avril 1975, avant l'arrivée des évacués de Takeo et de Phnom Penh dans le district de Tram Kak, est-ce qu'il y a eu des réunions d'urgence qui se sont tenues au district? Est-ce que ces réunions d'urgence avaient pour but de préparer les cadres à l'arrivée des évacués de Phnom Penh et de Takeo? Qui présidait cette ou ces réunions concernant les évacués de Phnom Penh? Est-ce que c'était le chef de district ou le chef de secteur ou Tamok? Que vous a-t-on dit par rapport aux évacués de Phnom Penh et de Takeo à ce moment-là? Qu'a-t-il été décidé de faire avec eux une fois qu'ils arriveraient à Tram Kak?
Est-ce qu'avant qu'ils arrivent dans votre commune, les évacués de Phnom Penh ont été canalisés et rassemblés à un endroit particulier? Vous avez d'ailleurs dit dans votre procès verbal d'audition à la réponse 101, je vais lire en anglais, je cite, « As I remember, first, they concentrated them in one place. Then they divided them out to villages to live mingled together. End of quote. Vous avez parlé d'un endroit où on les avait d'abord rassemblés. À quel endroit les a-t-on rassemblés, les évacués de Phnom Penh? Est-ce que vous-même vous êtes allé à la pagode de Champa à ce moment-là, voir ce qui se passait? Vous avez aussi assisté aux réunions préparatoires. Est-ce que durant ces réunions, des instructions ont été données pour que parmi les évacués de Phnom Penh, on puisse identifier les officiers supérieurs et les hauts fonctionnaires de l'ONNOL une fois arrivé à Champa? Une fois qu'ils sont arrivés dans votre commune, ces évacués de Phnom Penh, fallait-il prendre leur biographie et les surveiller, car ils venaient de la ville? Est-ce que les 17 avril, comme vous l'avez dit tout à l'heure, donc vous la rappelez plutôt, à propos des mariages forcés, est-ce qu'à l'époque, les 17 avril étaient considérés comme des ennemis? Parce que la ville aurait affecté, corrompu leur esprit. Bien, je vais lire un extrait alors de votre procès verbal d'audition. E319/12.3.2. C'est la question et la réponse 254 et 255. En anglais toujours. Question 254. When the commune chiefs began to collect biographies from the people and found someone who had been involved in the Lonnol regime, what happened to those who were associated with the Lonnol regime? Your answer, 254. Quote, immediately, when the Khmer Rouge regime began, they commenced making biographies of people who used to be teachers, policemen, or civil servants in the Lonnol regime. Then,
They sent all of those biographies to the upper echelon. That was an order from the upper echelon. Question 255. To your knowledge, what happened to those who had been involved in the Lon-Nol regime? Answer. After the biographies were sent to the upper echelon, they provided the names of those people to me. Then I ordered the arrests of those people and sent them to the upper echelon. Some were able to return and some could not. Those arrested ones were mostly soldiers and policemen. Not many teachers were sent there. End of quote. Alors, les biographies des enseignants, des policiers, des militaires ou des fonctionnaires de l'ONNOL dont vous avez parlé dans l'extrait que je viens de lire, est-ce que ces biographies étaient donc recueillies par des membres ou des cadres de votre commune une fois qu'ils avaient quitté Wat Chang Palu et qu'ils étaient arrivés à Ching Tong? Je vais la formuler différemment. Une fois qu'ils étaient arrivés à la commune de Ching Tong, dont vous étiez le chef, qui établissait les biographies de ces évacués de Phnom Penh. Bien, mais vous avez parlé de biographies qui étaient recueillies, qui, au sein de la commune de Ching Tong, étaient chargées d'interroger les gens et de recueillir les données biographiques de ces évacués de Phnom Penh. Est-ce que c'était des secrétaires du bureau de la commune, des greffiers, des cadres de la sécurité, des miliciens qui savaient lire et écrire? Pouvez-vous nous dire qui le faisait? Savez-vous qui, au niveau du district, était chargé d'analyser les biographies des évacués que vous aviez transmises? Est-ce que c'était au niveau du comité de district ou du bureau du district qu'on faisait ce travail d'analyse? Vous avez dit qu'ensuite on vous renvoyait des listes de gens à arrêter parmi ces évacués de Phnom Penh ou de Takeo. Est-ce que vous avez pu apprendre d'une façon ou d'une autre à quel endroit ou quel centre de détention, dans quel centre de détention ces personnes ont été envoyées? Nhâm bán đăng tì.
J'en viens maintenant à une autre période. Donc on vient de parler des évacués juste après le 17 avril 1975 et notamment qu'on recherchait les enseignants, les policiers, les militaires ou les fonctionnaires. J'en viens maintenant à une autre période, plus tardive, qui est celle d'avril et mai 1977. Est-ce qu'à cette période, en plus des biographies, vous avez reçu en tant que chef de commune l'instruction d'établir des listes de familles de tous les soldats et anciens fonctionnaires de l'honneur. Est-ce que vous avez entendu la question, Madame le Tribunal? សួស្តីលោកស្រីខំបឿនចា៎សម្រាប់សួរលោកធានឥឡូវយើងនេះយើងដំណើរការបន្តទៅទៀតហើយអំពីបន្តប្រដវិទ្យាជូនទៅស្ថាប័នរងអន្តរជាតិដើម្បីបន្តការតាំងសំណួរដេញដោលចំពោះសាក់សីខំបឿន Merci, je ne sais pas, Madame le témoin, si vous aviez entendu la question, mais j'en étais arrivé à un autre moment du régime, non plus juste après l'évacuation de Phnom Penh, mais plutôt en avril et mai 1977. Vous avez demandé si en plus d'établir des biographies, vous aviez reçu des instructions du district ou du secteur d'établir des listes des familles de tous les anciens soldats de l'ONOL ou des anciens fonctionnaires. Est-ce que vous vous souvenez si à un moment donné, il y a eu des instructions
venant de l'échelon supérieur toujours, visant à arrêter les anciens soldats et fonctionnaires de l'ONOL. Bien, je vais essayer de vous rafraîchir la mémoire avec un certain nombre de documents que je vais vous présenter. Ce sont des documents que vous devriez avoir près de vous. Et je demanderai à chaque fois au président de la Chambre également de pouvoir afficher à l'écran certains de ces documents. Le premier document est le document E3-2048. Il y a plusieurs pages qui nous intéressent, mais la première, c'est la référence en Khmer 000789. Si l'avocat de Madame le témoin peut rechercher ce numéro au-dessus, à gauche de la page de ce document E3-2048. En français, la référence est 00-6-1-6-5-9 et en anglais 00-2-7-6-5-6-2-6-3. Alors, il s'agit d'un rapport qui a été envoyé par Bun. Mais il y a certaines traductions au dossier qui mentionnent Meun. Donc un rapport envoyé par Meun ou Meun de la commune de Qingtong le 30 avril 1977 à l'Ankar du district de Tramka. Madame le témoin, si vous avez le document sous les yeux, est-ce que vous pouvez nous dire s'il s'agit bien de votre nom et de votre signature qui se trouve au bas de ce compte rendu? Oui, je vous demande de prendre ce document. Document សូមគោរពលោកប្រធានខ្ញុំអត់តាន់មានឯកសារអត់តាន់ឃើញគេបញ្ជូនឯកសារមកជូន Il s'agit de la troisième page en Khmer de ce document. Est-ce que vous avez ce document avec vous sous les yeux? Je crois que ça devrait être le cas puisqu'on a communiqué les listes de documents à l'avance. Merci.
Madame le témoin, je ne vous demande pas directement de le lire, je vous demande simplement de regarder le bas de ce document et me dire si c'est bien votre nom qui apparaît ainsi que votre signature. Thank you, Mr. President. Good morning. I just heard from my team that the text is now being written to the witness by her lawyer. Is that correct? Is that what we heard? If so, I think that should be reflected in the record. បាទជាការពិតហើយប៉ុន្តែទើបតែអានបានបន្តិចទេដោយសារវាជាកំហុសដែលមិនមែនបំណងរបស់សាភិញ្ញារងអន្តរជាតិចង់ធ្វើដូចនេះទេអញ្ចឹងអង្គសាភិញ្ញារងអន្តរជាតិបានកែតម្រូវវិញរួចហើយ Je repose la question, Madame le témoin, est-ce que vous reconnaissez votre nom et votre signature au bas de ce document? D'accord, mais je ne vous parle pas nécessairement de l'écriture du texte en entier, mais plutôt de la, du bas du document, à savoir le nom qui figure et la signature. On va revenir sur l'écriture après. Vous avez dit à la réponse 228 de votre procès-verbal d'audition que votre écriture était mauvaise et que vous aviez quelqu'un qui écrivait pour vous. Était-il habituel que quelqu'un écrive les rapports ou comptes rendus que vous faisiez au district sous votre supervision? សូមអរគុណលោកវិធានខ្ញុំសូមសាភិញ្ញារោមេត្តាបញ្ជាក់អំពីការស្រង់ចំណុចណានៅក្នុងឯកសារណាដែលលោកលើកយកមកតាំងសំណួរបាញ់បាញ់នេះបាទសូមអរគុណ Je peux le lire, mais je crois qu'on a encore beaucoup de temps, Monsieur le Président. Donc c'est le procès-verbal E319-12.3.2, réponse 228. Il y a une phrase qui dit ceci en anglais. My handwriting was bad, but I had someone to write for me. And of course.
I object to this way of citing because the answer refers to reports regarding arrivals and departures of people in my community. So that's a completely different sort of reporting to which she in this particular answer is referring to. So now to match that little sentence with this particular report is not accurate, and therefore I object. Monsieur le Président, je pose une question générale. Étant donné que Madame a dit qu'elle n'avait pas été très longtemps à l'école, elle a mentionné cette phrase, disant que quelqu'un avait écrit pour elle, ou habituellement écrit pour elle. Je n'ai pas nécessairement dit que c'était le cas pour ce document E3-2048. J'y viendrai, mais pour le moment, je veux juste savoir si quelqu'un écrivait parfois des rapports sous sa dictée et qui écrivait ce rapport. Donc je la répète, vous avez mentionné que parfois quelqu'un écrivait pour vous. Pouvez-vous nous dire qui écrivait pour vous? Et si c'était sous votre dictée? Que cette personne écrivait. Et qui était? C'était un secrétaire, un greffier, ou quelqu'un qui travaillait dans votre bureau de la commune? Est-ce que par ailleurs vous êtes d'accord pour dire, puisque vous avez dit que c'était bien votre nom qui apparaissait sur ce document, est-ce qu'il y avait d'autres personnes appelées Bonne qui travaillaient au comité de la commune de Qingtong? Bon, je vais vous lire des extraits de ce document. Donc, vous aurez la traduction directement en khmer, il n'y aura pas besoin de lire le document. Et je vous poserai les questions dessus pour voir si les sujets qui sont abordés vous rafraîchissent la mémoire concernant ce contenu. Alors, je cite ce qu'a dit Bön. À propos de la situation des ennemis qui se trouvent dans ma base, après avoir reçu les recommandations successives de l'ANCA concernant la vigilance à l'encontre des ennemis et le nettoyage des soldats des ennemis qui étaient dégradés, on a surveillé, examiner et identifier les personnes ci-après. Fin de citation. Est-ce que vous vous souvenez avoir reçu des recommandations successives de l'échelon supérieur concernant les ennemis et le nettoyage des soldats des ennemis, ou plutôt le nettoyage des soldats qui étaient dégradés? Ça, oui. Je cite. Vous souvenez-vous qui vous a donné exactement ces recommandations ou ces instructions? Était-ce le district
secteur ou un autre niveau de pouvoir. Que voulaient dire les mots vigilance à l'encontre des ennemis? Est-ce que la hiérarchie avait peur que les ennemis contaminent en quelque sorte les gens qui étaient de bons éléments? Concernant le nettoyage, les termes nettoyage des soldats, des ennemis qui étaient dégradés, pouvez-vous nous dire ce que cela voulait dire exactement dans le langage de l'époque? Je parlais du terme utilisé dans ce rapport où il était question de recommandations successives envoyées par Ankara concernant le nettoyage des soldats, on peut dire des soldats de l'ONOL. Le terme nettoyage, qu'est-ce que cela voulait dire? Arrestation ou élimination? Est-ce que sur décision du district, vous deviez arrêter les personnes à nettoyer et les transférer au district? Je vais revenir sur ce point. Je vais continuer à lire ce document. Vous avez, il est dit dans ce document qu'on a surveillé, examiné et identifié les personnes ci-après. La première personne qui est citée, c'est Chit Pil, un ancien lieutenant originaire de Phnom Penh. Quant à la deuxième personne citée, il s'agit de Kyu Soka. Et il est dit ce qui suit, voilà ce que Bun écrit. À propos de son métier, au moment de la déportation récente, lorsque je l'ai interrogé, il a répondu qu'il vendait du riz. Cependant, après avoir enquêté et examiné, il s'avérait qu'il travaillait en fait au ministère de développement des communautés. Fin de citation. En avril 1977, est-ce qu'on a demandé aux communes d'interroger les ennemis pour découvrir leur profession antérieure? Et pourquoi ces interrogatoires ou ces questions étaient posées au niveau de la commune? Cambodia,
Just an observation for the record, Mr. President. I note that the prosecution is reading a part from a passage in this document which seems to be the product of an interrogation. Again, I have no objection that the prosecution is doing it. However, we should at one point in time be allowed to do the same thing in respect of products of interrogations that are used. Monsieur le Président, en deux mots, ici on parle effectivement de questions qui ont été posées. Il n'est absolument pas question de torture et je sais que c'est ce que mon confrère insinue. Je n'ai pas du tout dit ici qu'une torture aurait été appliquée. Simplement des questions. Madame le témoin, est-ce que vous pourriez répondre à cette question? Est-ce qu'en avril 1977, est-ce que le district a demandé aux communes d'interroger les ennemis potentiels pour savoir quels étaient leurs grades ou leurs professions antérieures? Dernière chose que je vais citer à propos de Kyu Soka, la deuxième personne sur ce compte rendu. Il est dit ceci. Son père faisait partie des autorités de Takeo. Quand on a libéré jusqu'au monastère de Champa, notre Anka a limogé son père. Fin de citation. Tout à l'heure, vous aviez dit que vous ne saviez pas ce qui s'était vraiment passé à Champa. Ici, vous mentionnez que quand on a libéré jusqu'au monastère de Champa, notre Anka a limogé son père. Que voulez-vous dire par là? Savez-vous si au monastère de Champa le, ou à la pagode, des cadres de l'ONOL et des gradés de l'ONOL ont-ils été arrêtés? Il est mentionné à la fin de ce document, en tout cas Bön le mentionne, que ces deux personnes sont envoyées à la police. À l'époque, quand on disait envoyer les gens à la police, cela voulait dire les envoyer où exactement au niveau du district? Je voudrais maintenant continuer avec le même document E3-2048. Alors, c'est une autre page, c'est la page en Khmer 00079092 jusqu'à 9-3. Donc deux pages, des pages qui se terminent par 9-2 et par 9-3. En anglais, 00207-6565. Et en français, 00-6-1-6-6-6. C'est un rapport envoyé par Chorn.
de la commune de Popel, daté du 8 mai 1977. Est-ce que, madame le témoin, vous avez ce document sous les yeux? Bien, est-ce que vous pouvez regarder si est-ce que vous pouvez regarder à la fin du document et me dire si le tchorn de la commune de Popel qui a signé ce message et votre mari. Je sais que vous avez des problèmes de vue. Vous pouvez tout de même jeter un coup d'œil sur l'écriture en général et la signature qui figure sur ce document. Est-ce que c'est la signature de votre mari? Madame le témoin, pouvez-vous répondre à cette question? Est-ce que le tchorn dont il est question là et sa signature, est-ce que c'est bien votre mari? Bien, alors, dans ce rapport, votre mari dit au début qu'il se permet d'envoyer à l'encart du district 4 traîtres. Et je ne vais pas tout lire, mais il y a parmi ces 4 traîtres 2 anciens militaires de l'ONOL, un haut fonctionnaire et un étudiant en droit, dont il est dit qu'il a un antagonisme profond et qu'il a conduit des jeunes à organiser une réunion secrète. À l'époque des Khmer Rouges, que voulait dire les mots antagonisme profond? Est-ce qu'à l'époque où on recherchait les militaires de l'ONOL et les anciens fonctionnaires, est-ce qu'on recherchait également certains étudiants universitaires considérés comme s'opposants au régime? À l'année d'Alpil, Samra, Trang Hai, à mes pacas Samra, Chapipini, Totter, Rodomau Mui.
ខ្ញុំសូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចដំណើរការសកម្មការអរគុណលោកស្រីខំបឿនព្រមទាំងមេធាវីប្រឹក្សាសាក់សីឥឡូវនេះដល់ពេលសម្រាកហើយហើយយើងសម្រាកចាប់ពីពេលនេះតទៅរហូតដល់ម៉ោង 1:30នាទីរសៀលនេះសូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចដំណើរការសកម្មការហើយប្រកបឲ្យអនុរិយមន្ត្រីខុមខាំងនាំខ្លួនលោកខៀវសំផននៅត្រឡប់ទៅកាន់បន្ទប់សម្រាកនៅខាងក្រោមសាលសកម្មការនេះ និងប្រកបឲ្យនាំខ្លួនគាត់ត្រឡប់ចូលរួមសកម្មការនៅក្នុងបន្ទប់សកម្មការនេះវិញនៅរសៀលនេះបានមុនម៉ោង 1:30 នាទីសម្រាប់ចុះសូមអញ្ជើញក្រោកឈរនេះ